Donc Brice, tu travailles chez Datadog, c'est bien ça? Oui. Et on te connaît pas mal pour tes travaux sur Mockito, Oui, si je ne me ça date trompe un petit pas, peu. et aussi ton implication dans le comité de sélection de DevOps, Entre autres, oui. entre autres. Et donc là, tu vas nous parler d'une brique Java pour accéder aux portions natives du système, un truc qui est lié à JNI, mais c'est pas ça. Et c'est connu sous le nom du Project Panama, si je ne me trompe pas. Et donc, bah, merci d'avoir accepté notre invitation et puis on l'applaudit bien fort. Merci. Projet Panama. Cette photo, elle illustre un petit peu ce dont on va parler ce soir. Panama, c'est pour faire le pont entre deux mondes. Voilà. Pour faire le entre deux mondes, et c'est le monde Java et le monde du natif. Deux mondes qui n'ont pas du tout les mêmes conventions, la même manière de gérer la mémoire, etc. On va en parler au long de cette soirée. Donc, je n'ai pas besoin de présenter cette slide puisqu'on m'a déjà présenté. Si on est là, bien sûr, c'est parce que OpenJDK a été relisé il y a à peu près 2 mois. Et dans OpenJDK, il y a une nouvelle révision du projet Panama, en fait des projets qui sont en incubation dans le projet Panama. Donc, ce projet Panama a plusieurs sous-projets. Et celui qui va nous intéresser ce soir en particulier, c'est celui sur l'appel de fonctions, ce qu'on dit étrangères, et l'accès à la mémoire native. Donc, il est toujours en incubateur, comme je le disais. Avant d'aller un peu plus loin, qui a déjà fait du code qui appelait le code natif? Voilà, donc quelques-uns. Pour ceux qui n'ont pas fait ça, est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que quel a été le frein? Ou alors pas le besoin, tout simplement. Vous pouvez répondre. Oui? Pardon? J'entends absolument rien en fait sans micro. La question c'est est-ce que enfin quel a été le frein pour ne pas utiliser les technologies ce qui existait déjà avant Projet Panama pour accéder aux librairies qui sont sur l'OS, hein, qui sont les librairies natives. Qu'est-ce qui a été le frein? La portabilité? Ouais. Et d'autres choses peut-être, non? Ok, enfin, en tout cas c'était pour en discuter un petit peu avant de commencer. Donc ce que je souhaite aborder, comme je l'ai dit, c'était déjà les appels de fonctions natives. Panama c'est très large, donc on va pas tout voir ce soir, même sur la JEP 412. Donc on va voir un petit peu l'origine du projet Panama. En fait, d'où ça vient. Donc ça, c'est le premier item. Ensuite, après, on va appeler du code natif. On va faire ça étape par étape et on va voir ce qui se passe au niveau du code, comment le faire et qu'est-ce qui va se passer un petit peu en dessous. On va regarder l'outil gextract. J'espère pouvoir faire une petite démo de cet outil-là en ouvrant mon IntelliJ sur mon projet peut-être. J'ai un benchmark qui est là. On peut le faire tourner, mais sinon on va attendre 3 minutes pour rien. On verra. Et enfin, on va finir pour savoir ce qui est la suite du projet Panama ou les choses à noter quand on se lance sur projet Panama. Donc, commençons. Le projet Panama, en fait, c'est la réalisation d'une observation qui est que, en fait, les librairies natives, elles sont omniprésentes. Dans le monde Java, en fait, on essaie d'abstraire ça à travers ce qu'on appelle le SDK, le runtime, en fait, les runtime classes maintenant qui sont sous forme de modules, qui fournissent des API qui permettent d'abstraire cette partie-là, mais pour plein de développeurs de librairies, notamment,
En fait, il y a besoin d'accéder à des appels système ou des librairies tierces qui ne sont pas, qui n'existent pas sous la forme native, sous la forme Java, pardon. Et donc, du coup, il faut y accéder à travers un mécanisme qui permet cet échange entre le monde Java et le monde natif. Le problème, c'est que cette interaction, elle est souvent difficile. Parce que cette interaction, je parle de JNI là, cette interaction, elle est souvent un peu complexe parce qu'on a souvent appris à développer avec le monde Java. Tout le monde n'a pas eu la chance ou l'intérêt ou l'expérience tout simplement de développer avec du code natif, du C. Et quand on écrit du JNI, quand on fait du JNI, il faut écrire du C. Et là, il y a du danger parce que du C mal écrit, ça fait planter la JVM. En au-delà de ça, il y a d'autres problèmes qui sont liés au transfert d'objets entre le monde Java et le monde C. Vu que ce n'est pas les mêmes zones mémoire, ce n'est pas la même manière de faire, il faut transférer ces données-là et ça demande un effort quand on écrit ce code-là. Panama doit succéder à trois technologies. Donc JNI, c'est la base de tout. Même Panama utilise JNI pour le coup. C'est assez peu visible, mais il y a un appel JNI dans Panama. Il y a JNA qui s'est monté dessus pour simplifier les choses, et JNR ou JNRFFI qui est un petit peu l'origine de Panama. On verra ça. Donc JNI, en fait, c'est présent dès le début de la JVM. Ça ressemble côté Java à ça, pour quelque chose qui est très simple. Hein. J'appelle une méthode, je veux l'appeler isOtty, où je passe un file descriptor qui est un int. Là, ça va, c'est des types primitifs, c'est très facile, il n'y a aucun problème. On a juste à charger la librairie en passant un chemin, donc un point .so par exemple pour Linux, ou un point dilib pour macOS ou .dll pour Windows, etc. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire là. Hop, et isOtty. Ensuite, avec JNI, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est générer des headers C ou C++ à travers une certaine option qu'on va passer au compilateur Java, c'est l'option -h. JNI, c'est le dossier où ça va se retrouver. À ce moment-là, le compilateur va générer tous ces headers-là dans ce dossier-là. Avant le JDK 10, il y avait un outil spécifique qui s'appelait Java H pour Java Header. Aujourd'hui, ça a été remplacé donc par cette option. Une fois que ce header a été généré, en fait, on va écrire un petit code. Qui là est très petit parce que c'est pour l'exemple, mais certains objets, pour certains objets ou quand les fonctions sont beaucoup plus compliquées, là ça devient un peu plus ardu à écrire. Donc là c'est tout simple, on retrouve des types JNI comme JNI call, JNI true, etc. qui font un petit peu le mapping entre les types Java et ce qui existe dans le monde C. On va retrouver des pointeurs vers les classes, etc. Le JIN file descriptor pour passer l'argument. Et forcément, comme c'est du C et que c'est écrit dans un autre langage, il faut le compiler avec le bon compilateur. Par exemple, GCC ou LLVM. Sur macOS, GCC, en fait, c'est un alias pour LLVM, sauf si on installe ça avec Homebrew, mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut passer plusieurs. Là, c'est pareil qu'avec Java, mais il faut tout écrire à la main, en fait, savoir où sont les headers. Donc, pour les headers de la Java, de la JVM, ça va être assez facile à trouver. Mais après, quand on commence à avoir des choses un peu plus touffues dans ce code-là, bah, il faut pouvoir donner les liens vers ces headers-là, et c'est là où commencent les problèmes. En général, pour la portabilité, voire pour la stabilité quand le code commence à être gros. Donc il y a plusieurs arguments. Par exemple, chern, c'est pour indiquer que c'est une librairie.
PIC, c'est pour c'est pour les framepointers. Bref. Si on. Pour JNI, en fait, quand le mécanisme était en place, on a vu qu'on pouvait passer un chemin. Dans les faits, il y a un autre mécanisme pour charger la librairie qui utilise le nom de la librairie. Donc, ça, c'est une convention entre les OS, etc. Généralement, dans système, on peut trouver, je me souviens plus de la fonction, c'est map library name, je crois, qui donne, quand on lui donne une string en paramètre, il va donner le nom qui correspond à l'OS sur lequel tourne la JVM. Donc, par exemple, pour Native Binding, si j'étais sur Linux, le fichier s'appellerait libnativebinding.so. Sur macOS, libnativebinding.dilib. Et la même chose sur Windows avec un .dll. Enfin, je ne suis pas sûr pour le lib, mais vu que j'ai pas de Windows. Et donc, du coup, pour terminer cet exemple avec JNI, il y a encore un autre problème, c'est qu'il faut pouvoir dire où est la librairie qu'il va falloir loader. C'est-à-dire que même si on veut appeler une librairie tierce, on a créé aussi une librairie native. Et il faut le dire à la JVM où cette librairie native va se trouver. Parce qu'elle n'est pas forcément dans les chemins dans lesquels la JVM va rechercher les autres librairies. Typiquement, quand on a un programme particulier à soi, etc., ou une intégration à soi. Par exemple, des librairies Java comme Netty, ou encore d'autres, où chargent la librairie dans leur jar, et au moment où la classe est chargée, il y a un petit code qui va, on va dire, sortir la librairie, la mettre dans un dossier typiquement temporaire, et indiquer où charger cette librairie. Donc, eux, ils utilisent le mécanisme du chemin, parce qu'ils maîtrisent le chemin d'exécution. Mais si on veut faire appel à ce qu'il y a sur l'OS, il faut pouvoir passer ça à la JVM. Ça se fait à travers l'option, enfin une system property qu'on appelle java.library.path. Voilà. Donc, en fait, JNI, c'est super, c'est rapide, etc. Seulement, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte hein, quand on fait du code natif. C'est que, un, il faut initialiser une stack native, une stack C valide, parce qu'en fait, là, c'est la JVM, elle va passer de stacks qui sont Java, donc dans des zones de mémoire spécifiques à Java, et il va falloir initialiser cette stack, c'est valide. On va retrouver ces concepts dans Panama, mais cette fois beaucoup plus facile à utiliser. De la même manière avec JNI, ce qui va se passer, c'est que la JVM, elle va utiliser des registres CPU pour dire, tiens, là, mon pointeur, il commence là pour la fonction, c'est-à-dire quand il va initialiser cette zone mémoire, il va dire, ah, là, c'est là que tu dois trouver ta stack où tu vas trouver tes arguments. On va voir ça plus tard. Après, il y a d'autres choses. Effectivement, comme on change un petit peu de modèle d'exécution, il y aura des instructions pour bloquer certaines opérations de réordonnancement au niveau de CPU. C'est ce qu'on connaît à travers les barrières de mémoire. Comme ça permet de rendre la mémoire cohérente d'un CPU à l'autre, c'est-à-dire d'un cœur à l'autre. Particulièrement intéressant enfin, et obligatoire en multicœur. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire avec JNI, etc., comme l'inlining. Le compilateur de la JVM, C2, est capable de faire, c'est-à-dire de transformer le code qu'on voit sous forme de classe, nous, quand il sera interprété avec certains compteurs de performance. La JVM va pouvoir inliner, c'est-à-dire en fait le code qui va être exécuté, ce ne sera pas des classes, ce sera juste par exemple la petite méthode qui fait une comparaison if null. Elle sera pas, ce sera pas un appel de méthode, mais ce sera directement des bytecodes qui seront appliqués dans le code de la méthode d'une méthode qui est inlinée. Il y a d'autres choses qui posent problème avec JNI dans le code C qu'on écrit soi-même. En fait, on a accès à une certaine API qui donne par exemple les types JNI, comme JNI true, etc., qui permettent de faire le mapping entre les types Java, mais il y a d'autres choses
qui sont un peu plus dangereuses, comme tout ce qui est autour de Get Critical. J'ai mis une étoile parce qu'il y a plusieurs variations de cette API. Et c'est quand on commence à entrer dans une section Get Critical de JNI, en fait, on bloque les GC. C'est-à-dire le GC ne peut pas tourner. Avec G1, Garbage First, en fait, on a un GC qui fonctionne par région. Donc, en fait, ce que ça va limiter le problème à la région sur laquelle il y a des objets où on a fait l'appel JNI. Donc, c'est que cette région qui est bloquée. Mais en fait, quand on est sur un serveur, généralement, on peut cet appel JNI est sur le hot path, c'est-à-dire il est exécuté tout le temps. On risque de bloquer plusieurs régions. Donc, ça remet le problème. Ça remonte de cran en cran le problème. Enfin, il y a toujours cette fameuse problème d'échange de données entre le monde C et le monde Java. JNA, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est toujours un truc sur lequel Panama va améliorer. JNA, ça sert à améliorer l'utilisabilité du monde natif. Donc, c'est arrivé peu de temps après JNI. Ça a été fait par les mecs qui ont travaillé sur JNI, donc c'est quand même assez solide comme projet. Aujourd'hui, on le retrouve pratiquement dans toutes les librairies. Quand on regarde toutes les librairies qu'on a sur un serveur ou une application, il est très probable d'avoir du JNA. Donc JNA, c'est très facile. On a à écrire ça côté Java. Donc on a une interface. On déclare une méthode, cette fois qui n'a pas le mot-clé native. Donc là, c'est isEditorate toujours. Et on va dire à JNA, je veux charger, enfin, je veux trouver cette fonction-là dans la librairie C, la libc par exemple. Et ce sera l'interface JNA Library. Donc JNA, lui, va faire tout le travail de générer le code qu'il faut pour accéder à cette fonction native, sans écrire la moindre ligne, le moindre code en C. C'est très facile à utiliser, comme le montre l'exemple là. Donc, par contre, ça demande beaucoup de. C'est fondé sur de la réflexion, le mécanisme de réflexion. Et en fait, quand les types sont assez simples, etc., et connus, les développeurs, ça va se voir, mais c'est pas non plus prohibitif. Par contre, quand on va commencer à tomber dans des types qui sont un peu plus riches, là, par contre, le poids de la réflexion va se faire ressentir. Après JNA, c'est comme c'est ease of use, il y a plein de choses qui sont gérées pour nous et ça c'est ce qui le rend cette librairie très attractive. Pour information, c'est basé sur en partie native sur la libFFI qui est une lib qui est assez connue et qui est utilisée par plein d'autres runtime, d'autres langages, etc. Donc FFI c'est pour Foreign Function Invocation. Et c'est pareil, cette libFFI, c'est un petit peu la magie qui se passe derrière que JNA invoque, en fait. JNRFFI, c'est le projet qui va donner naissance à Panama. Donc, en fait, les gens qui se plaignaient le plus de l'accès au monde natif, c'était quand même les gens de la communauté JRuby, qui fait partie de cette communauté-là ici ce soir, que je ne dise pas de bêtises. Non, ça va. Alors, je vais dire ce que je veux. C'est Charles Nutter qui en est à l'origine. Et lui se plaignait notamment des problèmes de performance sur JNA et des problèmes de la facilité de pouvoir accéder à des librairies natives depuis Java. Et notamment avec les calls de JRuby. Donc, il a innové, il a réutilisé un petit peu ce qu'utilisait JNA, c'est-à-dire les libFFI. Et il en a fait quelque chose qui était relativement performant à utiliser. Donc, comme vous le voyez, le code est très simple aussi. Là, le code que j'ai écrit est varié un petit peu dans la manière de faire, mais c'est franchement la même logique. On va écrire une interface, on va décrire la méthode qu'on veut mapper. Et on va simplement créer cette méthode-là avec une factory, le library loader. Donc, de la même manière, JNRFFI est très souple, facile à utiliser. Il supporte pas mal de types.
Il utilise le bytecode plutôt que la réflexion, ce qui rend GNR FFI très rapide. En fait, beaucoup plus rapide que. Parce qu'en fait, dès les premiers usages, on a un bytecode qui est optimal. Il n'y a pas besoin de mettre en cache des choses et de faire de la réflexion. Donc, ce qui est assez lent aujourd'hui encore. Et évidemment, comme je disais, ça tire parti à l'FFI. En 2014, Charles Nutter et je crois que John Rawls se sont retrouvés à un moment donné, peut-être en 2013 avant. Et ils ont discuté. Et ça a donné l'idée à Charles Nutter de faire une. Monter une JEP pour porter l'idée du projet JNR dans la JVM. Parce que le problème de l'accès à la JVM, c'est qu'on est toujours obligé d'avoir besoin d'une librairie tierce. Et ça, c'est un problème. Et ça va être la réalisation de cette observation-là, en fait, de Panama, c'est de dire, en fait, avec Java, on a quand même besoin d'accéder à des librairies natives et on ne devrait pas avoir besoin de librairie tierce pour faire ce job-là. Donc, l'un des freins avec le monde natif, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont difficiles à amener, où c'est un petit peu ce qu'on. Enfin, moi, j'aime bien cette impédance mismatch qu'on avait, cette terminologie qu'on avait avec Hibernate, quand on utilise Hibernate pour parler d'une base de données. Hibernate, c'est une chouette technologie, mais il y a quand même, on apprend à maîtriser Hibernate plutôt qu'à maîtriser la base de données. Là, les relations sont différentes, mais il y a quand même cette impédance quand on veut travailler avec du natif. La syntaxe, la sémantique, tout est différent. Par exemple, une fonction lambda, on peut dire que c'est la même chose qu'un pointeur de fonction en C. Ben non, c'est pas tout à fait la même chose. Les types de données sont relativement différents. C'est-à-dire que typiquement, on va avoir en C, on peut avoir un espace mémoire. Le type union, je l'adore ce type-là. C'est un espace mémoire et en fait, le type union, ça peut représenter n'importe quoi sur cet espace mémoire. C'est-à-dire que on va donner un pointeur et en fait, si ce type union peut être une structure avec 5 fields ou 3 ou 2, c'est assez fabuleux, c'est-à-dire qu'on a le même espace mémoire, mais qui peut représenter plusieurs dispositions au niveau de la mémoire. Il y a toute la notion des exceptions, des erreurs. Ça se passe pas tout à fait de la même manière. Et puis après, il y a d'autres choses sur la sécurité, c'est-à-dire qu'une erreur de code en C, bah, ça fait planter le process potentiellement, ou alors pire, ça fait pas planter le process, mais ça corrompt la mémoire virtuelle. De manière silencieuse. Et ça, c'est un véritable danger. Donc ça, c'est ce qui était possible, par exemple, en écrivant ces adapteurs soi-même en JNI, au-delà du problème de portabilité. Donc Panama, en fait, en plus, ça tombe au bon moment, parce que juste avant, Charles Nutter, ça a réussi à faire passer les invoke dynamiques, encore, ce Charles Nutter. Dans les faits, d'autres personnes voulaient les invoke dynamiques. Vous connaissez les invoke dynamiques? Qui ne connaît okay. Invoke dynamique, c'est un bytecode qui a été introduit en Java 7 pour permettre à la JVM de faire tourner des langages, on va dire, dynamiques, comme Ruby et comme JavaScript d'ailleurs. Donc en fait, il y a eu un gros travail dans Java 7 pour apporter cette facilité-là dans Java 7. Et ça a été rendu sous une forme d'API publique dans Java 8. Et dans la manière dont les event dynamiques ont été faits, en fait, il y a les méthodes handles. Et c'est un petit peu une opportunité qui a été saisie lors du lancement du projet Panama. On va en parler tout à l'heure. Bon, là, je répète un petit peu, voilà, c'est ça que doit adresser Panama. Et voilà, ça a été initié par John Rawls. Enfin, en tout cas, tout ce que je connais. Donc, si on est là, c'est qu'il y a eu déjà pas mal d'itérations aujourd'hui de Panama, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que
On commence, enfin, l'API commence à être assez stable, elle fonctionne bien, elle est toujours en incubation, donc elle n'est pas disponible sans faire quelques efforts au niveau de la ligne de commande. Mais on sent que l'API, elle est proche de la finalisation. C'est le bon moment d'en parler parce que peut-être que dans JDK 18 ou JDK 19, on verra l'aboutissement de ce travail. Donc là, ce que j'aimerais faire, là, c'est passer du code natif et on va vraiment parler de Panama ce soir. Enfin. Donc. Mon côté, si j'ai essayé Panama, c'est parce que dans mon travail, à un moment donné, on a commencé à s'intéresser à une librairie qui s'appelait Lipsodium. Et cette librairie, elle avait plusieurs bindings Java qui existent. Et tous n'étaient pas aussi solides ou bons. Donc du coup, ça a donné des échanges intéressants et notamment l'opportunité de travailler un petit peu, de voir ce qui se passait sur Lipsodium dans le JDK 16 à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas Lipsodium, je présente rapido, c'est une bibliothèque cryptographique. Donc en fait, elle est multiplateforme. Donc il y a des gens qui embarquent Lipsodium sur Android, d'autres sur iOS. Il y a des versions qui sont compilées sur Windows, etc. Elle est omniprésente sur toutes les plateformes aujourd'hui et elle permet de faire des choses très intéressantes au niveau cryptographie. Et de manière, enfin voilà, c'est presque un standard. Et au-delà de ça, comme c'est une librairie native, elle est accessible par d'autres runtime. Donc quand on a un environnement très riche, un système informatique très riche où il y a des applications qui doivent respecter cette authentification, mais qui sont écrites en PHP, en Java, qui a effectivement les mobiles qui sont impliqués, etc. Ça devient une librairie très intéressante à considérer. Donc, comment l'utiliser, ce projet Panama? La première chose à faire, c'est de préparer son build, son système de build. Donc, j'ai pas été. Moi, je fais ça. Je travaille beaucoup avec Gradle ces derniers temps. Il y en a qui peuvent faire. On peut faire la même chose avec Maven. Donc, je parle pas des systèmes de build. Je vais juste parler de la ligne de commande. Mais voilà, c'est faisable avec Gradle assez facilement. Je peux vous montrer les exemples tout à l'heure dans l'IDE. Ce qu'on a, c'est que on va rajouter les modules, incubateur foreign, etc., pour la compilation Javac et pour l'exécution. Par contre, quand on veut faire des appels natifs, en fait, comme la sécurité est quand même à l'ordre du jour, il faut rajouter une option aujourd'hui dans le JDK 17 qui s'appelle Enable Native Access, avec All Unnamed pour parler des modules, enfin justement des du non-module en fait, hein, on ne se classe pas. Donc cette option-là, elle est toujours en train d'être discutée, notamment sur le nommage, parce qu'il y a la sémantique qui ne va pas, etc. Et la manière de gérer cette chose-là, voilà, elle est encore en cours de discussion. Donc il y aura des changements possiblement en JDK 18 ou JDK 19. Pour ceux qui veulent, il y a les modules. Donc ceux qui travaillent avec les modules, il suffit juste de faire requires.jdk incubator.foreign. Le problème, c'est que quand on a des librairies qui ne sont pas module aware, enfin, qui n'ont même pas d'automodule, ben, en fait, on se casse la tête et on recrée des modules qui implémentent. Enfin, bon, c'est vite compliqué. Attention, les modules, c'est très bien, mais c'est vite un casse-tête. Donc, ensuite, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir linker. Comment dire, on veut pouvoir appeler du code d'une méthode. Donc, du coup, la méthode, il faut savoir où elle est. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est cette API. Donc, on va utiliser un mécanisme de lookup. Comme c'est la libc, c'est une librairie système, et généralement, n'importe quel process qui tourne sur macOS ou sur Linux, par exemple, même sur Windows, ça doit être MS, SCVRT, je ne sais plus exactement, .dll.
Ça, c'est la librairie qui est chargée presque par défaut parce qu'il y a tous les appels à toutes les fonctions de base pour faire fonctionner un programme, dont le printf. Donc, on va utiliser systemlookup pour chercher des méthodes qui sont dans la libc. Et on va faire un lookup dessus. Par exemple, getPID. On donne le vrai nom de la fonction. Et en fait, ce lookup, ça va retourner une adresse mémoire. C'est comme un pointeur de fonction, en fait. Ce que ça va faire, en fait, quand on veut charger une librairie, alors libc, du coup, il n'y a pas besoin de faire ça parce que c'est chargé automatiquement, mais quand on va vouloir charger une librairie comme Ipsodium, on va utiliser system.load ou system.load librairie. Donc, dans ce cas-là, en fait, ces librairies, en fait, elles vont lire enfin, trouver la DLL ou la librairie chargée, etc. Et il y a un mec, elles vont appeler une fonction spéciale qui s'appelle DLOpen. Et cette fonction-là, elle va allouer un banc mémoire dans la mémoire virtuelle du process, qui a plein d'espaces mémoire, dont la Java heap, dont les stacks Java, dont le code cache, etc. Et elle va charger la librairie. Et le pointeur de fonction qu'on a vu, il va être là-dedans. Donc là, c'est pas forcément getPID parce qu'on ne cherche pas getPID à cet endroit-là, vu que c'est dans la libc. Mais libc, elle est pareil, elle est quelque part dans cette mémoire virtuelle. Donc par exemple, là, si j'ai chargé la Lipsodium à partir de ce chemin-là, quand je vais vouloir chercher le symbole CryptoBox SealByte, en fait, là, je vais utiliser une API légèrement différente. Je vais prendre symbole lookup, loader lookup. Ça, c'est l'API de chargement. Ça veut dire que la librairie a été chargée à travers un système.load dans le class loader courant. Et on va récupérer ce pointeur de fonction-là à partir de la zone mémoire dont je vous ai parlé, dont je vous ai montré tout à l'heure. À noter que si on donne le nom, là, load library, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être sûr que la propriété système java.library.paf est le bon chemin pour charger cette librairie, sinon il ne la trouve pas. Alors, on va maintenant appeler la méthode. Ce qui va se passer, c'est que je vais donner l'explication. En fait, ce linker a une API spécifique qui s'appelle dontConhandle. Et c'est comme ça que on va identifier, créer ce qu'on appelle le méthode handle pour appeler la méthode native. Donc, on sait qu'on a une adresse avec un lookup. Quand on va faire un dontConhandle, on va récupérer l'instance du linker. Le linker, en fait, c'est vraiment on peut dire, c'est la partie visible de la magie de Panama. Ce linker, il est spécifique à la plateforme LOS parce que les conventions sont différentes entre de l'AMD 64 et un ARC, enfin un ARM 64. Donc, il faut pouvoir, parce que les bytecodes sont différents, bien sûr, entre Linux, etc., et Windows, bref, vous voyez la chose. Donc, en fait, quand on va faire un dontConhandle, ce que va faire la JVM, c'est qu'il faut qu'elle génère du code. Le code qu'on voyait dans JNI, il va se retrouver dans une zone mémoire dans le code cache. Hein, c'est là où les méthodes compilées Java sont déjà, en fait, celles qui ne sont pas interprétées. Donc, il va réserver cette mémoire-là et il va générer le code qui va faire appeler la librairie. Ensuite, ce qu'il va dire, c'est dire, il faut qu'il calcule la taille de la stack native. On parlait de ça dans JNI. Là, c'est ce qui va être fait en Java par Panama. Donc, il va récupérer la liste des arguments en Java et il va en calculer la taille effective qui va être effective sur la quand on va vouloir appeler l'appel C. Ensuite, quand on va faire l'appel, on va copier les valeurs de
Java, de la heap Java, vers le segment mémoire comme il faut, en fonction de là où c'est nécessaire et en fonction de leur taille. Ensuite, on fait l'invocation de l'appel via JNS. Et à ce moment-là, en fait, c'est au moment où on invoque la méthode, vraiment, qu'on va appeler le code qui est dans le code cache. Et ce code cache-là a toutes les instructions générées en fait, qui étaient par Panama, qui vont appeler le vrai code de la méthode de la librairie native. Enfin, s'il y a un retour, on va le copier en retour dans la heap Java. Tous ces carrés gris en fait, se retrouvent en fait, à part la heap Java qui est dupliquée et la stack aussi, mais en fait, ce sont des segments mémoire dans la mémoire virtuelle. Donc, ce qu'on a vu, mettons-le en pratique. Donc, en fait, comme je disais, on tire parti des méthodes handle et ce qu'on va faire, c'est que dans les méthodes handle, oui, bon, là, je me suis un peu trompé. Là, ça, c'est ce qui se passait dans Java 8. Donc, les méthodes handle, avant, c'était ça. Enfin, c'est toujours ça. Ça peut remplacer la réflexion. Donc, on fait un méthode handles.lookup. On trouve la méthode. On a un méthode handle. Et sur la méthode handle, une fois qu'on l'a, on peut avoir l'invocation. Méthode handle, c'est un petit peu comme l'objet méthode dans la réflexion, entre guillemets. Donc, avec le linker, ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'on va récupérer le dans handle, on retrouve ce nom-là. On va récupérer l'adresse qu'on a vue là avec le lookup. Et il y a deux choses importantes qui vont servir justement à établir la taille de la stack C et à faire les bindings correspondants au niveau de la, on va dire, sérialisation entre guillemets. C'est le method type et le function descriptor. Method type, ça permet de donner des informations sur l'invocation côté Java. Hein, quand on va faire invoke exact, on va dire à invoke exact, tu dois t'attendre à ça comme argument. Si ce n'est pas les bons arguments, bah, ça risque de péter avec une exception. Et function descriptor, ça c'est vraiment l'API qui va permettre de générer la stack de ce côté-là. Donc elle est utilisée en interne pour justement trouver les bonnes tailles, etc. Donc là, sur une méthode toute simple, une fois qu'on a le méthode handle, on a juste à appeler invoke exact. Ça ne prend pas d'argument, on n'a pas d'argument, mais on a un type de retour. Et à noter, comme le call site, enfin comme ça méthode handle, le call site doit respecter la vraie signature qui a été décrite dans méthode type, c'est-à-dire qu'il faut absolument si j'appelle cryptobox.sealbyte.invoke exact et que je m'en fiche du type de retour, ça ne va pas marcher parce que invoke exact, en fait, au niveau du call site, il va dire bah là, en fait, c'est un void et ça ne correspond pas à la signature qui est décrite que je dois appeler. Donc, il faut bien penser à penser au type de retour également. Donc, là, si je veux passer des paramètres, comme on l'a dit, il faut que je prenne un objet en Java Heap et que je le passe en off heap. Ça, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Avec la méthode CryptoboxKeeper. Cette méthode, elle prend deux pointeurs en fait en C et il faut pouvoir la mapper, la binder en Java. Donc c'est à celui qui appelle la méthode qui doit initialiser les segments mémoire. On va le faire juste après. Ce qui va se passer, c'est que pour la signature déjà, en premier, c'est de bien passer les bons types. Donc on voit tout de suite qu'on a des memory address côté Java et des valeurs qu'on appelle cPointers. Les pointers, ce sont ça représente un pointeur en Java. C'est juste que ça donne la taille qu'il faut. Quand on parle de portabilité tout à l'heure, en fait, suivant l'architecture, aujourd'hui et maintenant, on a une taille assez standard, mais puisqu'on a tous du 64 bits, etc. Mais en natif, souvent un pointeur, c'est la taille de size T.
et sizeté. Pour connaître sa taille, en fait, faut vraiment vivre dans ce monde-là pour vraiment trouver et s'en souvenir exactement. Et là, c'est ce que fait Java pour nous, en fait, de manière assez simple, en disant, OK, tous les bindings pour les plateformes ont été faits, on connaît la taille, c'est facile. Ensuite, donc, comme on a des pointeurs, en fait, il va falloir récupérer certaines informations, ces pointeurs, ils pointent vers quoi? Et ils pointent vers des segments mémoire. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est les allouer. Donc, comme je disais, c'est la responsabilité de celui qui appelle la méthode de créer les espaces mémoire qui vont permettre au C de travailler. Donc, cette fois, on peut commencer à imaginer que cette API, en fait, si elle prend deux pointeurs, en fait, c'est deux pointeurs vers deux tableaux. Et en fait, c'est pas ces deux tableaux qu'elle va remplir. Donc, en fait, la manière de penser au modèle d'exécution ou le modèle d'invocation est un peu différent de Java. En Java, on aurait souvent un tableau en retour ou un objet en retour. Là, ce qu'on va avoir, c'est des pointeurs. Et c'est les pointeurs, c'est une zone mémoire qui va être initialisée. Et le type de retour, comme on peut le voir, là, c'est void, mais c'est souvent des int ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, dans l'exemple plus haut, en fait, ouais. Alors, en fait, si j'ai bien compris la question, c'est que en natif, en fait, il y a des segments en fait qu'il faudra initialiser aussi. Et la question, c'est de savoir, mais en natif, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Si on écrivait ce code-là en C, c'est ça? Voilà. Donc, en fait, on le voit pas. Je l'ai pas montré là, mais en fait, dans le code qui est écrit en C, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va déclarer des types, en fait, on va déclarer qu'on a cette zone-là mémoire en fait qui est prise en fait, et ça va aller sur la heap native en fait. Ou alors, ça peut aller sur la stack, ce qui est possible aussi. Et donc, du coup, en fait, si on a un objet qui fait, je sais pas, 64 bytes, il peut se retrouver sur la stack. En fait, on a un bloc de 64 bytes sur la stack. Et donc, du coup, quand on va appeler cette fonction-là, on fait un passage de référence, par exemple. Si on est en C++, en C, on aura un pointeur. Ben en fait, on va récupérer l'adresse de ce bloc de mémoire, de ce segment de mémoire en natif. Et finalement, c'est ce qui se passe exactement là, hein. C'est juste que ça se fait avec des types Java. Donc, mais on reste assez proche du modèle C, même si on travaille avec des objets Java. Donc là, en fait, on alloue des bandes mémoire et on va passer l'adresse de ces bandes mémoire à cette fonction-là. À noter aussi, pour la sécurité, pour bien penser à release les segments mémoire, il faut en fait, ils ont pensé à un mécanisme en fait de scope, c'est-à-dire que dans un try with resources, on a ça, là, y a, y a, c'est closable en fait, il y a une interface, c'est auto-closable, et donc du coup, à la fin du bloc, tout ce qui est encore vivant là, le bloc va pouvoir appeler la méthode close. Et comme ces segments mémoire ont été enregistrés à travers ce scope, en fait, on ne peut pas oublier de laisser un segment mémoire qui traîne comme ça, parce que là, du coup, c'est la memory leak, hein, native. Donc, vous ne la verrez pas dans la Java heap, etc. C'est du segment natif. Donc, grâce à cette approche, on a une sécurité dans la manière de faire les allocations. D'ailleurs, c'est ce que je parle en fait. Donc, ça tombe bien, j'en parle. Resource Scope, en fait, c'est vraiment l'API qui permet de gérer d'un point de vue JVM en fait le cycle de vie de tout ce qu'on alloue au niveau natif. Et ça, c'est hyper important, comme on l'a vu, parce que sinon le RSS il grimpe et
Enfin, moi, je l'ai déjà vu sur des applications qui faisaient pas de GNI, etc. Volontairement, le RSS grimpe et quand c'est en natif, on se demande bien pourquoi. Donc ça, du coup, c'est un problème de moins quand on va utiliser cette API. C'est vraiment chouette. Il y a plusieurs types de scopes. Si je reviens en arrière, là, en fait, le ressource scope, c'est un new file scope. Il y en a plusieurs, donc plusieurs factories. Donc le global scope, c'est, on va dire, on pourrait dire que c'est un scope qui est global au programme. Celui-ci, c'est celui que vous devez utiliser, à mon avis, assez rarement. C'est si vous avez besoin de segments de mémoire qui sont, voilà, c'est de la variable globale. Donc ce ne sera pas libéré avant la fin du process. Si vous voulez quelque chose de plus explicite, voilà, avec les try with resources, il faudra chercher plutôt vers les new confined scope et new shared scope. Donc après là, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de parler de descendre là-dedans, mais pour les confined scope, en fait, c'est en gros, on peut pas partager les segments quand on fait du multithreading, sauf si il y a une transformation explicite, si on peut le dire. Ensuite, après. Au niveau allocation, il y a le memory segment allocate native. Donc en fait, ça fait un malloc. Mais si on veut gérer de manière un peu plus intelligente la mémoire, il faut aller voir côté segment allocator qui fournit plusieurs factories. Donc à partir d'un scope où c'est un malloc, à partir d'un segment où ça recycle ce segment à partir de zéro. Donc du coup, tout ce qui était là avant est réécrit. Et ensuite, après, avec un système de gestion par région, malloc de la libc, de la glibc fait déjà ça. Mais c'est un algorithme de gestion de mémoire très classique. Voilà, il est implémenté là en Java, à travers l'ARN allocator. Donc, si on transforme ça, un autre exemple avant avec un segment allocator, ça donne ça. On voit bien on récupère un allocator et de cet allocator-là, on va allouer avec un certain nombre de bytes ici qui sont issus de deux méthodes différentes. Ensuite, si on continue un petit peu plus avec des méthodes, avec des paramètres, ce sera pareil hein, globalement que ce qu'on a vu. On répète un petit peu la chose. On a trois pointeurs. C'est toujours des tableaux. On retourne un entier. Donc là, on répète la chose. On a la signature Java qui doit matcher un petit peu ce qu'on veut envoyer à l'appel natif et ce qu'on veut en voir revenir. Donc là, un int. Et on décrit la signature côté C pour permettre les binding. Ensuite, là où c'est intéressant, c'est que là, par exemple, ces linkers, en fait, là, en fait, ce que je veux faire, c'est envoyer une string Java vers le monde natif. En fait, ce sera pratiquement la seule aide de Panama par rapport au type Java. En fait, c'est d'envoyer des strings. En fait, c'est le seul objet vraiment compliqué qu'on peut vraiment envoyer. À Panama. Sinon, faut utiliser d'autres API avec les layouts. Je verrai pas ça ce soir, mais c'est très intéressant. On verra. Je continue. Donc, ces linkers, en fait, c'est un petit peu là où il y a c'est un peu un couteau suisse au niveau de type, hein, son boulot de linker. Et donc, du coup, là, on a un message qui est une string Java et on va la transformer en segment mémoire. Qui s'appelle Native Message. Et c'est pareil, pour éviter que ce segment mémoire il leak, on associe un scope quand on appelle cette méthode-là. Et enfin, voilà, comme c'est un segment mémoire, on donne l'adresse. De la même manière, là c'est pareil, on utilise l'allocateur, hop, et. Si on veut voir revenir un byte array, en fait, d'un segment mémoire, en fait, il y a plusieurs méthodes qui permettent de mapper un segment mémoire vers Java. Donc là, par exemple, comme c'est du byte array, c'est assez facile, la méthode est déjà présente. Si on veut quelque chose de plus compliqué, il faut travailler avec des layouts qui représentent la disposition du segment mémoire. Et là, enfin, ça c'est un autre. Donc là, les classes essentielles qu'on a vues pour utiliser Panama, c'est le C-linker,
C'est vraiment le gros point d'entrée pour commencer à toucher un petit peu à ça. Il y a des représentations de type natif. Donc, il y a des trucs assez exotiques hein, en natif. Long. Moi, je connaissais pas. Enfin, j'avais oublié en fait parce que il y a d'autres trucs que je connaissais pas. Les longs doubles, par exemple, qui existent. Hein. Donc, long double, c'est des doubles de 128 bits. Ceux-là ne sont pas représentés dans Selinker parce qu'on ne sait pas les représenter en Java. Long, en gros, ça correspond à peu près, suivant la plateforme, en fait, justement, c'est le problème avec le natif, suivant la plateforme, long, ça peut représenter un long de 32 ou alors de 64 bits. Il faut connaître un petit peu la chose. Et donc, du coup, là, le linker, en fait, fait ce travail pour lui. En même temps, il est limité, le linker. Il est limité. Les implémentations sont limitées aux 64 bits, donc en fait, ça limite aussi les différences ou les variations qu'il peut y avoir si ça tournait sur une JVM 32 bits. Le pointeur, la notion de varargue, etc. Ces linkers, en fait, ça va vous permettre donc, de générer les méthodes handle pour les méthodes natives à travers .conhandle, les conversions de string. Il y a un truc que j'ai pas mentionné là, mais par exemple, en fait, ce qu'on peut faire aussi avec Panama, et avec les autres, JNI, JNA, etc., mais avec Panama, c'est ce qui nous intéresse, c'est que des fois, le code natif voudrait pouvoir appeler une méthode Java. Et dans ce cas-là, la technique est un peu différente, mais ça fonctionne aussi, et ça s'appelle le upcall-handle. Par exemple, si des algorithmes de tri ou alors un callback, on appelle du code C et en fait il y a un callback pour rappeler du code Java, c'est ce qu'il faudra utiliser. Upcall-handle, en gros, ça va créer un pointeur de fonction, mais visible côté natif. Donc en fait, ça va se créer un segment mémoire et on va pouvoir partager cette adresse côté natif. Memory segment, c'est ce qu'on a vu. Donc là, ça représente une zone mémoire et on peut y associer une disposition. C'est un layout, c'est le memory layout. Et donc, du coup, on peut avoir des choses assez riches, des trucs très simples comme les caractères, les types primitifs ou alors des structures, des unions, etc. Un memory segment, ça c'est intéressant, c'est que ça peut aussi représenter un fichier memory mappé. Alors après, je sais pas si vous êtes. Si vous, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un fichier memory mappé? Non? En fait, la plupart du temps, quand on commence Java, on fait un new file, etc., IO stream, avec les input stream, etc., output stream, etc. Donc ça, c'est un fonctionnement par IO. Et ça fait appel à un certain segment d'appel système, on va dire certaines parties d'appel système. Mais il y a une autre manière de lire un fichier, c'est à travers les fichiers memory mappés. Donc l'API, c'est File Channel. Peut-être que vous connaissez un peu mieux ça. File Channel, en gros, ça va demander à l'OS de dire, OK, je veux cette portion du fichier, enfin, ou alors tout le fichier, et je veux le monter en mémoire. Donc qu'est-ce que ça va faire? Dans la mémoire virtuelle du process, donc on avait tout ça, on avait la Java heap, etc. Et ben en fait, on va monter le contenu du fichier dans cette mémoire, sous forme de page mémoire, en fait, tout simplement. Et ça, c'est l'OS qui va gérer les I/O lui-même. C'est assez performant, mais ça demande beaucoup de travail au niveau de l'OS. Donc il y a aussi certains dangers. Bon, bref. Le fait est que c'est possible à travers cette API-là également. Et donc ça permet aussi d'avoir un pont entre File Channel qui n'est pas Panama Aware, on va dire, pour l'instant. Enfin, les adresses. Le segment allocateur, on l'a vu. Ressource scope, c'est ce qu'on a vu. Le memory layout, c'est vraiment le truc. Je pense que c'est dur de l'écrire à la main. Pour ça, il vaut mieux utiliser JExtract. Qui lui a une compréhension en fait enfin, de ça et qui va pouvoir émettre les bons memory layouts. Et ça tombe bien, on va faire du JExtract.
Donc j'y extracte, je vous montre rapidement quelques appels, mais là je vais sortir mon IDE dans pas longtemps. J'y extracte, en fait, c'est un outil qui fait partie de Panama, et c'est un petit peu le couteau, le job. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez connu Swig. Bon. En fait, on a vu tout à l'heure avec JNI. Quand on avait une classe Java, on devait compiler. Quand on compilait, on voulait générer des headers pour aller vers le code natif. Là, ce que va faire, ce que faisait Swig aussi, c'était à partir du code natif. Swig, c'est un outil externe qui n'appartient pas à JVM. Ça va prendre des headers C ou C++ existants et ça va créer le code de mapping côté C et côté Java pour Swig. J'y extract, c'est la même chose, mais il n'y a pas besoin du côté natif. Donc ce que ça va faire, c'est prendre juste les headers et ça va générer les classes Java comme une librairie tierce, en fait, pour nous. Donc tout ce qu'on a écrit avec les don't call handle, etc., ça va se retrouver dans le code généré par J extract. J extract. Ça a bien évolué dans JDK 7, dans le JDK 7, pour cette version du JDK 17. Par contre, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas livré avec l'OpenJDK. C'est un outil qui est encore en train d'être développé. Et dans cette version-là, j'ai bien mis cette version-là parce que c'est celle qui fonctionne avec l'OpenJDK 17. Par exemple, si demain il y a un nouveau build sur jdk.java.net.panama, bah en fait, on aura peut-être un jextract qui va générer du code incompatible avec OpenJDK 17. C'est malheureux, mais bon, comme c'est un outil en cours de développement, il faut le savoir avant de se faire avoir. Et jextract, à noter aussi, c'est. Hop, je crois que je l'ai pas. Je vais faire la démo juste après. JExtract, c'est pas sûr que ça se retrouve un jour dans le JDK. Ce sera peut-être livré sous une autre forme de livrable. Peut-être que ça pourrait être intégré à travers des systèmes du build comme Maven, etc. Mais téléchargeable ailleurs, un petit peu comme JMH pour ceux qui connaissent JMH. Pourquoi? Parce qu'en fait, JExtract, ça utilise la lib C-Lang. Et la lib C-Lang, c'est celle qui utilise. Que lib C-Lang, c'est ce qui est utilisé par LLVM, donc le compilateur C en fait. Et sur Linux, je crois que j'avais vu, la lib C-Lang, elle fait peut-être 90 mégas, un truc comme ça, quoi. Donc ça rajoute un poids considérable au JDK. Donc c'est pour ça qu'ils veulent éviter de le shipper dans le JDK. Surtout au moment où on voudrait quand même réduire un petit peu la taille de certaines du JDK par différentes approches. Donc, en fait, j'ai un projet où j'ai. Je vais passer en mode présentation. Voilà. Donc, terminal. Ok, c'est pas du tout ça. Donc, ici, j'ai un petit projet qui représente la lib Sodium que je veux mapper. Elle est buildée avec un projet Gradle. Donc, comme je vous disais, on a ça ici, hein, avec la définition des choses. On a comme les options pour rajouter le module open jdk.incubator.foreign. On rajoute ça pour l'exécution parce que c'est utile si on veut pouvoir accéder à du code natif. Et je voudrais générer donc du coup les headers, les pseudos. Je les ai déjà générés ici, on va les supprimer comme ça. On sait que on est tranquille, on va pouvoir vérifier que ça fonctionne. Donc ici, si je veux installer des choses, alors avec
macOS, on va plutôt utiliser du Homebrew pour installer des choses. Brew, ça existe aussi sur Linux, donc il y a la même commande, mais bon, après apt-get, ça doit marcher aussi ou yum si vous êtes sur Fedora. Par contre, il faut peut-être penser à prendre les headers. C'est peut-être un package différent, je me souviens plus. Dans les faits, je l'ai déjà, donc je vais peut-être pas faire. J'ai pas besoin de le faire. Si c'est bon, bon voilà. Donc là, c'était pour vous montrer que je pouvais l'installer. Allez, voilà. Donc c'est installé. Et Homebrew installe ça dans certaines à certains endroits, donc qui sont relativement proches de ce qu'on va trouver chez Linux. Hein. Donc dans local, on va avoir les include en fait. Et là, on va trouver libsodium. Hop. Oh là là. Voilà. Il me semblait que c'était ça, ou peut-être libinclude, je sais plus. Pop, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, je l'ai là. Donc, hop, ce qu'il nous faut, c'est ça. Donc, dans ce package-là, donc c'est BrewPFX, en fait, que je pourrais faire ça plutôt. Tac. Donc, si j'ouvre un autre terminal. Tac. Là, on a tous les headers qui ont été installés et qui viennent avec le package d'install. Donc là, en fait, ce que je vais faire là, c'est lancer JExtract. Donc j'ai téléchargé le projet Panama avant de venir. Et dans ce build, hein, j'ai JExtract à cet endroit-là. À noter que ce n'est pas JExtract l'exécutable qui fait 60 mégas ou 90 mégas. JExtract, c'est juste une sorte de lien très, très léger là, qui fait quelques kilobytes et qui va pointer vers un module qui lui est beaucoup plus gros. Sans compter après la librairie à laquelle il fait appel. Donc, ce que je vais faire là, c'est je vais utiliser JExtract. Et alors après, pourquoi il ne voit pas là? Je sais pas pourquoi. Voilà. Ok, ouais, je sais pas pourquoi il fait ça. Bref. Donc, là, je suis au niveau de master. C'est pas le bon truc. On va peut-être aller plutôt là. Je vais aller dans la lib. Hop. Tac. Bon, il me refait la même chose, j'espère que. On va faire ça. Donc, comme je suis rentré dans un dossier. Donc là, j'ai JExtract. Je veux générer ça dans ce dossier-là. Je veux donner le nom libsodium. En fait, je vais plutôt l'appeler sodium pour le coup. Parce qu'en fait, ça a une implication, je vous montrerai tout à l'heure. Je veux générer les sources et je voudrais générer ce code-là dans ce package-là. Je vais utiliser, alors en fait, ça c'est très important si vous utilisez ça, c'est qu'effectivement, on veut les headers de Libsodium, mais en fait, vous allez voir que si vous oubliez certaines choses comme les headers système, en fait, JExtract, il va se plaindre parce qu'en fait, il n'arrive pas à trouver la définition de certains types natifs comme sizeT ou encore d'autres choses. Donc, du coup, sur macOS, par exemple, je vais donner la localisation ici, là. Ça peut être Xcode aussi. Sur Linux, je me souviens pas exactement. Et il y a un truc que je voudrais faire, en fait. Et je pense que c'est l'avenir de JExtract en fait, sur la manière de l'utiliser. C'est que en fait, plutôt que de générer, en fait, je voudrais savoir ce qu'il génère. Donc en fait, je vais faire ça sous la forme de dump includes. Donc cette option-là, en fait, ça va dire à JExtract, en fait, ne génère rien, mais en fait,
Tu vas générer tout un tas d'options dans ce fichier-là et on va voir pourquoi c'est utile. Et donc, du coup, je donne enfin le fichier, le header que je veux retrouver. Donc là, je vais commencer. Hop. Voilà. Donc là, on n'a toujours rien, je pense. Voilà. Par contre, on a le fichier sodium.conf qu'on va regarder immédiatement. Hop, hop, il est là. Donc ce fichier-là, en fait, comme je disais, il a généré. C'est tous les includes qu'il a trouvés. En fait, si on fait rien là, avec comme il y a les header système, en fait, il y a tout un tas de macros, etc., qui ne nous intéressent pas pour utiliser Libsodium. Si on était en train d'utiliser un truc avec, je sais pas, les iPhones, etc., peut-être que oui. Donc là, il y a tout un tas de trucs. Voilà, ça va loin. C'est encore du macOS. Si je trouve ça ici, je suis sûr qu'on va le trouver. Voilà, il y a des structures un petit peu particulières pour les groupes, etc. Si je cherche, hop, sodium, tac, qu'est-ce que je vois? Ici, à la ligne 1423. Donc, à partir de tout ce qui m'intéresse, tout ce qui est avant, là, je pourrais le jeter, en fait. Et donc, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai édité ce fichier-là et j'y ai mis uniquement les headers qui m'intéressaient. Ça demande, c'est un travail un petit peu fastidieux, mais en fait, c'est utile parce qu'en fait, ça restreint le scope et la taille de la librairie générée. Et puis surtout, ça simplifie beaucoup l'exécution de la chose. On va voir un petit peu après. Donc après, si je veux faire la même chose, si je veux générer mon code, j'ai juste à faire ça. Tac. Donc là, comme je vous disais, j'ai pas de filtre, j'utilise pas la conf. Donc là, j'aurai tous les leaders système. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Reload from disk. Voilà. Donc là, voilà. Darwin i386. Et là, on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Constantes. Voilà. Donc ça ne nous intéresse pas tant que ça. Je vais resupprimer. Et hop, hop, j'ai peut-être fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Ça se... Donc là, ça m'intéresse pas. Par contre, j'aimerais bien utiliser la commande enfin, ce que j'ai sélectionné. Donc là, ah, sapristi. On va faire autre chose. Donc là, ça simplifie énormément la chose. En fait, je vais réutiliser ce que j'ai vu là. En fait, les arguments que j'ai mis, que j'avais tout à l'heure, en fait, je les ai mis directement dans ce fichier-là. Donc en fait, quand on passe at le fichier de conf, en fait, c'est un fichier de configuration pour Libsodium. Donc du coup, je lui passe les mêmes options, hein, le package, l'endroit où les mettre, les header system, parce que c'est quand même utile pour la génération du code, et où trouver les includes. Et je passe quand même le fichier sodium.h ici. Je pense que ça doit passer sans, mais voilà. Hop. Et là, on va se retrouver avec ça. Et on a tout ça. On a les fichiers qu'on a générés. Donc en fait, le point d'entrée, c'est ça. C'est sodium.h. Ici, on va avoir
quelque chose d'intéressant, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est quand on passe l'option tirer le sodium, en fait, ça donne le nom de la librairie qu'on veut charger. Donc, en fait, ça indique comment charger. Dans les faits, je trouve que cette partie-là, elle est pas forcément utile parce que des fois, on veut shipper une librairie native dans le jar et c'est le jar qui l'extrait lui-même, comme Netty, par exemple, le ferait et en fonction de la plateforme. Bref, ça reste, c'est un détail. Et je crois que si on rajoute pas la librairie, peut-être qu'il le fait pas et le génère pas ce bloc. Je me souviens plus. Bref, ici, si on va regarder le code qui est généré, on va avoir tout de suite en fait là des méthodes et on va retrouver que c'est un template hein, qui est appliqué pour chaque méthode. Donc on va avoir par exemple là c'est les librairies string. En fait, il va faire appel. Il me semble à ce méthode en handle, ou alors cette méthode là-dessus, voilà. Pardon. Hop. Ici, il y a tellement de code comme ça que IntelliJ il est un petit peu confus. Ici, on a un méthode handle qui est renvoyé, qui est initialisé, qui est retourné par cette méthode-là. Donc c'est une méthode statique. Et on va la retrouver utilisée ici, en fait. Donc là, il y a un check que ce soit pas nul, bien sûr, pour vérifier que c'est bon. Ensuite, c'est pareil, on récupère le méthode handle, le même check. Ce méthode handle est appelé de la même manière. Et puis après, il y a un throwable au cas où ça pète. Donc en fait, tout ce travail-là, en fait, j'y extracte le fait, tout le travail qu'on a fait manuellement tout à l'heure, il va être fait. Et on va voir qu'il génère, par exemple, les types qu'on veut voir dans cette méthode-là. Donc là, on aura addressable. Addressable, c'est une interface. Donc, par exemple, un memory segment implémente addressable. Parce qu'en fait, un memory segment, il doit renvoyer une adresse. Donc voilà pour gextract. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous voulez revenir sur le code. Ouais. Attends, tu peux parler un peu plus fort? C'est pas aussi cette relation elle est pas garantie en fait. En fait il réfléchit justement à dériver les arguments Java ou vers leur équivalent en C ou les équivalents C en équivalent Java. Mais je pense que pour l'instant ça demande un petit peu un travail. Ils sont pas encore sur c'est aujourd'hui il peut y avoir des petites différences subtiles hein, en fait. Effectivement, le setting curve pour avoir en fait, le problème de ça, c'est que il y a déjà quand même beaucoup d'intelligence entre guillemets parce que comme c'est le monde natif, en fait, il peut y avoir beaucoup de variations en fonction des plateformes, etc. Donc le setting curve fait déjà un gros travail là-dessus. Et rajouter ça, je pense qu'ils n'étaient pas encore prêts. Je ne sais pas si ça arrivera ou pas. On peut ressentir ça comme une sorte de duplication d'informations, c'est sûr. Dans les faits, c'est quand même, c'est pas tout à fait la même fonctionnalité en fait. Il y en a un qui sert vraiment à représenter un call site côté Java, et l'autre qui va servir à représenter en fait la fonction appelée et donc du coup le layout de la mémoire de la stack au moment de l'appel. Possiblement, il pourrait y avoir une dérivation des arguments Java, mais je sais pas, je préfère pas trop m'avancer. D'autres questions? Ouais. Bah, tu as une belle exception qui s'appelle, je sais plus, wrong type exception, qui arrive. En fait, j'en parle, j'ai écrit, quand j'ai fait mes essais sur Lipsodium. Je suis tombé sur ces choses-là, des fois par simple erreur, parce qu'au début, j'avais pas gextract, en fait.
quand j'ai voulu tester le build Panama, en fait, n'avait pas JExtract, celui qui était publié, ce qui était un petit souci. Ils ont corrigé ça quand je leur ai remonté le problème. Donc, du coup, j'avais pas JExtract. Et en fait, la seule manière de tester, on va dire, le Panama, c'était d'écrire les handles moi-même. Et à ce moment-là, il peut y avoir des petites erreurs. Mais bon, après, c'est facile à identifier. C'est juste qu'il faut bien lire le message, en fait. Mais c'est très facile à identifier. C'est limpide à comprendre, en fait. De ce côté-là, c'est sûr que JExtract, en fait, solutionne ce problème-là, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur JExtract? Alors, là, en fait, je pourrais faire tourner le benchmark. Vous allez me faire confiance. J'ai plutôt envie de dire que vous allez me faire confiance. J'y crois. Attendez, je reprends la présentation. En fait, je voulais faire une démo. Je peux la faire. Quand j'ai commencé ce benchmark, en fait, je suis parti de rien du tout. Et donc, du coup, quand j'ai fait ça, c'était vraiment. Je me suis lancé sur. J'ai pris les librairies natives, enfin les librairies qui faisaient un binding vers Libsodium. Donc en fait, j'ai pris des implémentations différentes. C'est une qui faisait du JNI, l'autre qui faisait du GNR et l'autre du GNA. Si j'ai laissé en petit gris le petit warning, en fait, c'est que je l'ai fait avec GMH. Hein, c'est dit, bah, les nombres, c'est des nombres. En gros, il faut quand même surveiller un petit peu ce qui se passe avec ces nombres-là. Et s'il y a quelque chose qui vous semble trop bon ou trop mauvais, bah, il faut essayer de comprendre pourquoi, parce que ça, un benchmark peut vous mentir, même avec GMH. Et donc, du coup, j'ai mis GNR, je l'ai pas mis en gras. Et en fait, c'est parce qu'en fait, GNR, je ne m'attendais pas à avoir un chiffre aussi mauvais, quoi. Donc, en fait, il y a un problème dans la librairie et dans la manière de faire les choses. Et en fait, ce que je benchmark, en fait, ce n'est pas seulement GNR, parce que GNR, ça devrait être assez proche en termes de performance, assez proche de GNI. Et là, on voit bien que c'est presque deux fois, non, peut-être pas deux fois, mais 1,5 fois plus élevé que les autres. Donc il y a un problème sur ce benchmark-là. Et en plus, en regardant les autres logs, on voit bien qu'il y a des soucis. Donc faites très attention encore, je préfère le rappeler. Quand j'ai corrigé ça, en fait, quand j'ai regardé ça, en fait, sur GNR, je peux vous le dire, c'est en fait la librairie, en fait, elle utilise une librairie qui est assez efficace. GNR, c'est super efficace. Mais en fait, dans les objets que j'ai utilisés dans mon benchmark, en fait, dans les objets de la librairie, pas GNR, hein, de la librairie qui fait le mapping vers Libsodium, en fait, il y a un objet qui implémente finalize. Et oui. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça crée de la pression au niveau du GC. Et à un moment donné, quand là, il y a l'espace mémoire lors du benchmark commence à être un petit peu pas critique, mais demande un GC. Ben en fait, tu as tous ces objets-là qui ont besoin d'être finalisés et ça demande de libérer de l'espace mémoire, etc. Enfin bref, c'est pas très joli. Donc du coup, j'ai contourné le problème et ça donne ça. Donc là, en fait, on voit bien que GNA, ça fonctionne quand même bien, mine de rien. Après, dans le code que je benchmark, c'est quand même des types assez faciles, primitifs. Effectivement, il y a des tableaux de bytes, mais ce n'est pas des gros tableaux de bytes. Donc, du coup, il n'y a pas le poids, autant de poids sur la réflexion que si c'était des choses un peu plus riches. GNI, ça fonctionne vraiment super bien. De toute façon, ça reste la brique de base, quoi qu'il arrive. Dans toutes les technologies qu'on voit ici, il y a toujours du génie. GNR, ça fonctionne, c'était le truc que j'ai contourné. Donc là, en fait, ça me paraît toujours un peu gros. Je pense que si je réécrivais les appels qui. Enfin, aujourd'hui, j'ai utilisé une librairie tierce, donc où j'ai contourné en augmentant la taille de la mémoire, etc. C'est beaucoup trop gros par rapport à ce que ça devrait être. Mais
on a réussi à avoir quelque chose d'un peu plus correct. Et enfin, Panama. Donc Panama, ben en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est ça au niveau de la promesse, il y a deux types de benchmark en fait. Panama, en fait, dans le premier bench qu'on voit là, j'ai fait revenir les objets dans la heap. Donc du coup, il y a un coût de sérialisation, etc. Enfin, on va dire de copie, parce que c'est juste des tableaux de bytes qu'on peut voir. Donc c'est un peu moins bien que JNI. Mais bon, c'est pas non plus problématique. Et surtout, en fait, quand on passe en FIP, en fait, c'est-à-dire que là, j'ai utilisé la librairie comme si c'était une librairie native, et je fais pas de retour d'objet dans la heap. Donc du coup, en fait, c'est que des pointeurs de fonction, et j'utilise ça comme une librairie tierce. En fait, si je programmais en OpenGL à partir de Java, en fait, je voudrais pas faire revenir mes objets dans la heap, en fait, pas forcément. Donc, en fait, dans cette version qui est entièrement off heap, en fait, on est même légèrement meilleur que JNI. Et c'est normal parce que dans la version JNI, en fait, on fait revenir des objets, la lib est comme ça. Je pense que là, ce qui est intéressant, en fait, à retirer de ce bench, en fait, c'est que, en fait, Panama, il tient ses promesses pour avoir une brique qui est performante, qui est facile d'utilisation. Pour un développeur Java qui ne demande pas d'écrire du code, qui est relativement sûr et en étant aussi performant que JNI. Et pour moi, ça, c'est un gros plus, hein, honnêtement. Tout ce code-là, pour moi, c'est validé côté Panama. Enfin, je voudrais finir, parce que là, déjà, je pense que j'ai débordé. Largement d'ailleurs. Donc je disais d'aller voir les up call stub, en fait, c'est ce qui permet de faire au monde natif d'appeler du code Java. En gros, on va toujours utiliser ces linkers, et en fait, le up call stub, au lieu de renvoyer un méthode handle, en fait, ça va renvoyer une adresse, en fait, qui est juste un pointeur de fonction, entre guillemets, qu'on va pouvoir passer à une méthode native, en gros. Le memory mapping, j'en ai parlé. Là, comme c'est un incubateur, il y a des changements. Ils ont déjà révisé un petit peu l'API au niveau de la gestion de la mémoire dans le repo Panama. Donc ça va encore changer, je pense, suite à des retours. La sécurité aussi, ça va changer. J'y extracte aussi, et encore, il y a encore des choses à améliorer par-ci par-là, mais ça, même si ça fonctionne bien. À noter que là, les API que vous voyez ici, elles sont utilisables sur le JDK 17. Donc ça, c'est chouette. Vous pouvez en profiter. Par contre, enfin, ça va changer dans le JDK 18. Mais même, enfin, au-delà de ça, c'est que même si l'API change pas en tant que tel, le fait que ça vit dans un module à part, en fait, comme les fichiers memory mappés, ça risque de se retrouver dans les API réelles de java.lang. Et donc du coup, il y aura des changements aujourd'hui. Il y aura des changements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, memory-segment.map-to-file, en fait, la méthode elle est sur ce fichier, sur cette classe-là, parce qu'en fait, on ne veut pas modifier file channel. Il pourrait y avoir les API pourraient être déplacées dans les types qu'on connaît déjà dans le JDK, dans la version finalisée. Enfin, même si c'est plus facile et de très loin. Et qu'on peut profiter de beaucoup de choses qui sont déjà présentes sur le système. Il y a toujours des choses auxquelles il faut penser. On travaille avec du monde natif. Donc, il peut y avoir des considérations auxquelles on ne pense pas. L'alignement des blocs de mémoire, les librairies. En fait, si on est sur un serveur, on peut se dire, c'est ce qu'on s'est posé la question sur Lipsodium, quand on a bossé là-dessus. C'est que Lipsodium, c'était sur des serveurs qui étaient sur Linux. Donc on se dit, il n'y a qu'une seule, une seule archi, un seul OS à supporter. Sauf qu'en fait, on a besoin de développer sur nos laptops. Et là, il y a des variances. C'est souvent du Linux ou du macOS. Donc ça réduit un petit peu le choix. Mais il faut quand même y penser pour le dev. Si c'est un logiciel desktop, bah alors là, il faut vraiment avoir. Penser à shipper ou à pouvoir avoir la librairie
pour toutes les plateformes qui sont visées. Netty, c'est ce qu'il fait. En fait, ils ont un jar, et donc du coup, dans ce jar-là, typiquement, ils ont les variantes en fonction de chaque OS, et ils vont extraire la librairie native JNI qui correspond. Là, ce sera pas du JNI, mais ça pourrait être une librairie comme Libsodium ou une autre, n'importe laquelle, qui doit être extraite. Pour les gens qui font du Android, bah, écoutez, je pense que vous pouvez oublier pour l'instant. Déjà que y a, enfin voilà, Android, c'est pas vrai, c'est pas du vrai Java. Il n'y a pas vraiment de Java 8, il y a un level. Et le level, ça, c'est même pas l'aspect de Java 8, ça prend juste certains packages, certains types. Donc à partir du 26, ils ont rajouté java.time, etc. Donc avant qu'ils commencent à, avant de voir les voir commencer à penser à rajouter ce genre de feature, il faudra attendre un petit peu qu'ils travaillent dessus. Voilà, j'ai fini. C'était un petit peu long, désolé. Tout le monde a faim et soif. Si vous avez des questions maintenant, si vous en avez plus tard, vous pouvez me voir sur Twitter. Il y a quelques liens que j'ai mis pour ben voilà, pour vous renseigner. Est-ce qu'il y a des questions? Prenez votre temps de la formuler. Oui, Charles. Oui, alors, je peux répéter la question. Oui, je peux. Charles a posé la question, est-ce que j'ai parlé de mapping vers le langage C? Et la question était, est-ce qu'il y a des mappings vers d'autres langages? Alors oui, mais en fait, il faut que la librairie, en fait, elle peut être compilée dans n'importe quel langage. Par contre, pour qu'elle soit visible par Panama, en fait, il faut qu'elle ait une convention d'appel qui soit la convention C. Donc, par exemple, on pourrait appeler, enfin, faire du code Swift qui appelle le Touch ID. Et donc, du coup, Swift, en fait, ça respecte pas la convention C parce que c'est le langage Swift, en fait. Et c'est normal, c'est leur truc. Par contre, on peut indiquer sur une méthode Swift, OK, je veux une déclaration C. En fait, je veux déclarer cette méthode comme un appel C au niveau du runtime, au niveau de la librairie, au niveau du bytecode qui est généré. Et donc, du coup, en fait, on a juste à déclarer de la même manière cette méthode-là. D'ailleurs, est-ce que j'ai ça? Hop, hop, hop. Ici, ça c'est. J'ai un truc où je jouais avec Touch ID, justement. Est-ce que ça va marcher? Non, peut-être pas. C'est pas dans ce repo-là. Mais par contre, j'ai le. Bon, je peux vous montrer un petit peu le truc. Ici, voilà, ça c'est du Touch ID. Donc en gros. Il y a tout l'appel qui est là, hein, c'est du Swift, etc. Bon, bref, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Là, ce qui se passe, c'est que je donne le nom de la fonction, enfin, ou de la déclaration C. Donc, en fait, quand je vais chercher mon symbole, quand je vais chercher la librairie, en fait, je vais chercher ce nom-là, tout simplement. Et il faudrait que je retrouve le truc qui permet de l'appeler, mais je me souviens pas. Donc là, c'est en Swift, en fait, et je cherchais à justement appeler depuis Java l'API de Touch ID. En fait, j'avais bossé avec ça, avec Carl D, qui est de chez Azul. Mais j'ai changé de laptop il y a pas longtemps, et donc du coup je sais pas, j'ai pas remis le code. Bref, faites-moi confiance.
Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais entendre? D'autres questions? Oui, Bruce. Ah. En fait, au niveau upcall, en fait, à Tu peux partir répéter du la question? moment où à l'endroit où tu génères l'upcall, à partir du moment où tu as accès à la méthode, en fait, tu vas pouvoir générer ton upcall. Et donc, du coup, c'est un pointeur de fonction. Donc, en fait, ce sera une méthode Java de toute façon. Donc, en gros, tu pourrais donner accès à n'importe quoi. Au niveau de la sécurité, il y a quelque chose où je pense qu'il n'y a pas encore le mécanisme qui est en place. Mais par exemple, avec le enable restricted, là, native restricted, cette option va changer ou être renommée. J'avais vu des discussions dans ce sens-là il y a un mois. Bah, peut-être qu'il pourrait y avoir des restrictions qui pourraient être implémentées justement pour les upcalls ou pour dire bah, ça j'interdis un appel à ces modules-là. Je peux pas. Aujourd'hui, ça se limite. Il n'y a pas plus de sécurité que pour ça, à part cette option, en fait. Mais qui est un. Voilà, c'est un coupe-le-pont, quoi. Autre question. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Brice.